Rennes, qui était qu'on ne soit pas juste une tour posée au sein d'un quartier en plein réaménagement, mais qu'on fasse du lien avec, avec les différents acteurs du quartier, les différentes structures, les associations et puis les habitants. Du coup, j'ai une formation de paysagiste à Excel d'éducateur spécialisé. Et du coup, on a eu cette idée de faire ce jardin qui se veut accessible à tous et ouvert sur les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas un jardin par la DAP et pour la DAP, c'est un jardin par la DAP, mais ouvert par exemple à l'école qu'il y a derrière. On est en train de voir pour un partenariat, ouvert aux habitants, ouvert à l'EHPAD, au même titre que certains jardins partagés qu'il y a sur Paris.